visible a sorti le visible. Bonjour, cher peuple du studio 210 et bienvenue dans Instant Gospel. Avec moi sur ce plateau, la sœur Agapé Ngoma, artiste musicienne. Bonjour, la sœur Agapé Ngoma. Bonjour, Marina. Bonjour, très chers téléspectateurs. Et bienvenue sur ce plateau du studio 210. Merci, merci. Alors, vous venez de mettre sur le marché un album de 5 titres intitulé Chama, roi d'Israël. D'emblée, dites-nous un peu pourquoi Chama, roi d'Israël. Chama, roi d'Israël, je commencerai par dire que c'est un cri du cœur. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, en esclavage, ont crié à l'Éternel et l'Éternel a répondu puissamment en leur envoyant Moïse comme libérateur. Donc aujourd'hui, face à la pandémie, par exemple, qui sévit le monde, nous avons besoin de crier à l'Éternel. Et la Bible dit que lorsque nous l'appelons, il répond. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Alors si nous l'appelons, il va répondre. Et donc, Chama, roi d'Israël, c'est une prière. Jéhovah Chama, ça veut tout simplement dire l'Éternel qui est là, l'Éternel qui est présent, l'Éternel qui est ici avec nous. Il est là pour nous consoler. C'est vrai que nous croyons en Dieu, mais nous avons du mal à croire qu'il existe parce que nous ne voyons pas ses miracles. Nous ne voyons pas ses signes et ses prodiges. La vie chrétienne, elle est très intéressante lorsque nous marchons dans les miracles tous les jours. Mais pour que Dieu se manifeste, nous devons l'appeler. C'est comme un couple. Si la femme ne montre pas à l'homme qu'elle a besoin de lui, l'homme ne pourra rien faire. Donc c'est la même chose avec Dieu. Il a besoin de nous. Il a besoin que nous ayons une relation, une communion avec lui. Et donc j'en profite pour exhorter quelqu'un. Peut-être que vous me suivez en ce moment et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, eh bien, donnez-lui votre vie et vous aurez la paix et vous aurez la joie. Vous allez expérimenter sa promesse, sa présence et sa puissance tous les jours de votre vie. Écoutez Chama, roi d'Israël, et vous ne serez pas déçus. Voilà, merci. Écoutez Chama, roi d'Israël, vous ne serez pas déçus. Chama, roi d'Israël, c'est le titre de votre album. Oui. C'est aussi le titre de l'une de vos chansons. Voilà, c'est alors, ça. Est-ce qu'on peut en avoir, on peut avoir un extrait? Un petit a cappella sur bien sûr. Manifeste le surnaturel, Chama sur le naturel en ce moment et en ce lieu. Manifeste le surnaturel, Chama sur le naturel en ce moment et en ce lieu, Chama. Manifeste-toi, Chama, manifeste ta gloire. Manifeste-toi, Chama, manifeste, manifeste, montre-nous que tu es là. C'est une belle voix, vous avez une belle merci, voix. Merci. Voilà. Alors, Chama, roi d'Israël, oui, c'est votre troisième album, oui, déjà sur le marché. Comment il se comporte? Et donc, Chama, roi d'Israël est sur le marché. Il y a deux formats, la format clé USB et le format clé USB et le format DVD. Les gens demandent de plus en plus. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver deux extraits donc, de ce maxi single. Vous allez trouver Bless the Lord et Étonnant Yeshua. Et pour pouvoir vous procurer donc la clé USB et le DVD, okay. Vous pouvez appeler, je peux donner le numéro. Voilà le numéro, vous allez peut-être le donner tout à l'heure à la fin. Voilà. Vous avez tout à l'heure parlé de Étonnant Yeshua. Et donc, si du côté de la réalisation, tout est fin prêt, on va suivre le clip Étonnant Yeshua. Étonnant, tu es.
on venait donc là de suivre un extrait du clip étonnant et au choix. Et on doit aussi le signaler que la sœur Agapé Ngoma fait une autoproduction. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est de votre propre vouloir ou c'est par manque de producteur? D'abord, c'est mon propre vouloir. David dit dans la Bible que je n'offrirai jamais à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Et donc, face à tout ce que Dieu a fait pour moi, à sa bonté dans ma vie, j'ai pensé donc lui donner les prémices de l'appel qu'il m'a fait, c'est d'être chantre de l'Éternel, évangéliste. Et donc, Shamar d'Israël, cette autoproduction, c'est pour moi une offrande à l'Éternel. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront intéressés à vouloir semer dans ce ministère. Vous êtes invités. Et du moment où j'ai déjà rempli ma part, c'est de donner à Dieu. J'ai déjà donné. L'album est sur le marché. Vous pouvez m'appeler si vous voulez vraiment m'aider et me soutenir. D'accord. Mais à quand la sortie officielle de... Donc, la sortie officielle est prévue pour la fin du mois de septembre. Mm-hmm. Et la date vous sera communiquée dans les prochains jours. Donc, je suis en train de me préparer. J'ai l'intention de faire une conférence de presse, mm-hmm. d'organiser donc une conférence de presse. Le moment venu, vous serez informés. Merci. Alors, la sœur Agapé Ngoma, votre premier album vous a valu, donc votre premier album intitulé Mon jour de miracle, oui. vous a valu donc, vous avez été sacré meilleur artiste gospel étranger au Bénin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en une minute? Oui, donc Mon jour de miracle, qui est un bonus, qui fait partie de ce maxi single. Il y a quelques années, donc en 2004, j'ai été lauréate donc, d'un concours entre griffes. J'ai eu le titre du meilleur artiste gospel étranger au Bénin, donc grâce à Mon jour de miracle. Et j'en profite aussi pour dire qu'en 2003, j'ai été nominée au Cora de la musique africaine dans la catégorie meilleur gospel africain. Féminin, voilà. Et j'ai participé à cette soirée d'Écora en décembre 2004. Vous avez déjà un bon parcours. Oui, c'est ça. Ce que nous allons faire, on va encore repartir du côté de la réalisation pour suivre le clip, un extrait du clip « Bless the Lord ». Voilà, c'était donc là le clip, un extrait du clip Bless the Lord de la sœur Agapé Ngoma. Alors, comment faire donc pour se procurer votre album? Alors, pour se procurer, je dis bien la clé USB et le DVD, vous pouvez appeler, je peux donner le numéro, le 242 06 451 24 88, donc 06 451 24 88. Vous avez parlé de YouTube, vous avez peut-être une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube, donc c'est YouTube Agapé Ngoma, une page aussi Facebook Agapé Ngoma, Instagram Agapé Ngoma 1. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Voilà. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit, peut-être
de la population, des Congolais qui nous suivent. Voilà, donc j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je remercie mon audience, ma première audience, donc ma famille, mon mari et mes enfants. Et j'aimerais exhorter donc ceux qui nous suivent en ce moment à écouter Shama Roi d'Israël, parce que c'est une musique surnaturelle qui nous connecte au Père de notre esprit. Nous avons besoin de cette musique pour avoir la paix que nous recherchons, parce que Jéhovah Shama, c'est l'essence même de notre foi. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Demeurez béni. Voilà, merci bien la sœur Agapé Goma. Voilà, donc c'était Instant Gospel. Et donc, je recevais la sœur Agapé Goma, en Goma, et avec elle, on a parlé donc de son album Shama, Roi d'Israël. Merci à vous également, chers téléspectateurs. En passant, on souhaite donc un bon dimanche à Junior Opaï et Paul Mar dans Oko, qui nous suivent depuis Brazzaville et Oyo, et Studio 210. Continue.